toile d'araignée où on est pris dedans et que par moments on a envie de lâcher d'ailleurs, parce que bon, c'est quand même assez dur. Et puis malgré tout, non, il nous tient dans ses fils, quoi. Ça, c'est assez passionnant. Et ça, c'est dû aussi beaucoup à l'écriture. L'écriture qui n'arrête pas et qui est bon, c'est une sorte de spirale et de ressassement de la parole. Et quand on lit comme ça, bon, ben on est dans ce tourbillon. Et puis ils ont frappé le ventre et les gens. Et il n'a pas pensé à ce que disait votre mère à vous deux. Et ce que le procureur a dit, c'est qu'un homme ne doit pas mourir pour si peu. Qu'il est injuste de mourir à cause d'une canette de bière. Plus de ça, je pense que moi, j'ai d'ailleurs en accord avec Laurent Mauvignier, qui pense que ça doit être comme ça et qu'il a donné son accord pour ça. C'est-à-dire que j'ai restitué tout le texte, j'ai enlevé quoi, une demi-page, je pense, et dans la chronologie, et j'ai respecté aussi le récit. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un travail où il y a un découpage, où on théâtralise la chose. Je garde vraiment la parole, le récit, le récitant et le récit. Ce qu'il a fait, non pas tenter de nier lorsqu'il les a vus arriver vers lui et qu'ils se sont, je ne dirais pas, abattus sur lui parce qu'ils étaient lents et calmes et qu'ils n'ont pas du tout fondu comme l'auraient fait, disons, des oiseaux de proie. Non, pas du tout. Au contraire, ils se sont arrêtés devant lui et c'était très silencieux. Tous. Ils étaient plutôt lents et froids quand ils l'ont encerclé. Et il n'a pas eu un mot pour contester ou nier, car oui, il avait bu une canette, et aurait pu les remercier de la lui avoir laissé finir. Il n'a pas dit un mot, et dans ses yeux, il a laissé le jeu ouvert de la peur. Mais c'est tout. Tu comprends? Il avait juste envie d'une bière. Tu sais ce que c'est, l'envie d'une bière? J'ai travaillé en collaboration avec un vidéaste, Erwin Chamard, où on s'est interrogé sur le fait de voir comment on pouvait utiliser la vidéo. J'avais plein d'idées au départ. Et puis très très vite, on s'est aperçu que ça perturbait l'attention de l'écoute. Donc on a travaillé au minimum. Et aussi un accompagnement sonore créé par Hervé Rigaud. Et après, principalement, ça a été vraiment un travail beaucoup à la table et un travail avec le comédien Jérôme Thibault, où on a vraiment travaillé en fouillant au maximum le texte pour essayer qu'il soit le plus simple possible et le plus fourni possible à l'intérieur. Mais ne pas, surtout pas, parce que c'est vraiment un récit, c'est pas une pièce de théâtre, et donc il faut pas jouer le texte, il faut le dire, avec tous les possibles qui sont inscrits dans le texte. Ça va de l'horreur à la tendresse, au souvenir, à l'ironie. Il y a toute une palette de choses, mais qui doivent être comme ça, distiller pour que le spectateur ou l'auditeur puisse prendre cette parole et en faire ce qu'elle veut aussi, surtout. Voilà. Ils diront que ça devait arriver, mais ça ne devait pas arriver. Et lui, avant d'être mort, je te le dis à toi parce que tu es son frère et que je voudrais te réconforter, comme lui aurait voulu le faire de temps en temps, te dire que la vie n'a pas été peindre avec lui, crois-moi. Rassure-toi de ça.